Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas. Yop les Vegemotos, ici Smoke and Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Comme d'habitude les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Et aujourd'hui je suis tellement content, je suis tellement heureux les amis. Pourquoi? Parce que tout simplement, premièrement, il me reste plus que 21 jours à tenir. Pourquoi? Car Dofus Retro est sorti cette année, pour ceux qui ne le sauraient pas. Pour ceux qui connaissent pas Dofus, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent pas Dofus. Si vous connaissez pas Dofus, tapez sur la chaîne Dofus. J'avais déjà fait 2-3 vidéos à l'époque. Donc pour ceux qui le savent, Dofus Retro est sorti cette année les amis. Et grosse nouvelle qui me hype de ouf. Dans 21 jours, c'est-à-dire le 30 de ce mois-ci, les serveurs monocomptes vont ouvrir. Alléluia, alléluia. Du coup les amis, on va repartir directement direction Astrub pour une nouvelle aventure que je vais faire en live sur Twitch bien évidemment. Je ferai également des vidéos sur YouTube. Dites-moi si vous voulez un let's play avec des grosses vidéos ou bien juste quelques petites vidéos par-ci par-là. Ce qui est sûr, c'est que mon compte est déjà créé. Mon perso est déjà créé. J'attends plus que le 30. Et grosse information les amis, le 30, le jour où les serveurs monocomptes ouvriront, on fera un live de 10 heures spécial Dofus Retro monocompte. Ça tombe un mercredi. Donc on commencera comme d'habitude vers 14h de l'après-midi jusqu'à 1-2h du matin, on verra bien. Et je compte y jouer tous les jours les amis, je pense que je vais jouer tous les jours. Donc pour ceux qui le savent, Dofus c'est le jeu de mon enfance. C'est le premier MMO auquel j'ai joué, MMO français en plus, ça fait plaisir, cœur sur les français. Dofus pour moi c'est vraiment un jeu, donc comme je vous le dis c'est un jeu créé par des français. Mais c'est pour moi un des jeux français les mieux, les meilleurs, le meilleur. Pour moi c'est le meilleur, franchement c'est le meilleur. Et ça me rappelle tellement de souvenirs les amis. Je pense que rien que la musique, même vous, ça vous fait des petits frissons. Oui, c'est magnifique, cette musique est de toute beauté les amis. Donc, serveur monocompte. Donc pour ceux qui ne savent pas, sur Dofus, la plupart des joueurs, surtout les streamers, jouent avec 8 comptes en même temps. Donc c'est à dire que tu lances 8 fois ton jeu, tu crées 8 persos, tu payes 8 abonnements et tu lances un combat, tu vas sur ta deuxième fenêtre avec ton deuxième perso, tu rejoins le combat, troisième fenêtre, tu rejoins le combat, quatrième fenêtre, rejoins le combat, jusqu'à 8 et tu joues avec 8 persos, en gros avec 8 jeux différents. Enfin c'est le même jeu mais tu as 8 fenêtres, 8 pages de jeu et tu dois à chaque fois switcher entre les fenêtres pour déplacer tous tes persos, qui te permet d'aller beaucoup plus vite, d'XP beaucoup plus vite, de gagner beaucoup plus d'argent. Et c'est tout ce que je déteste. Donc quand j'ai appris qu'il y allait avoir des serveurs monocomptes sur Dofus Retro, j'étais le plus heureux du monde les amis. Parce qu'il faut savoir que sur Dofus 2.0 il y a déjà des serveurs monocomptes. D'ailleurs je crois que c'est depuis cette année, enfin ça fait pas très longtemps, ou depuis l'année dernière, je sais plus exactement. Mais j'avais pas envie de reprendre Dofus 2.0 parce qu'il y a trop de trucs, il y a trop de nouveautés, il y a déjà plein de joueurs, il y a déjà plein de choses dans les hôtels de vente et tout. Là, on va être là le day one, le premier jour. Donc il y aura tout le monde niveau 0.
Il n'y aura rien du tout en objet dans les hôtels de vente. On va pouvoir un peu faire nos prix, etc. Ça va être magnifique. Quand on va looter des gros items rares, on va être super content. Ça sera les premiers qu'on lootera de tout le serveur. Ça va être magnifique, les amis. Bien évidemment, je compte créer ma guilde comme d'habitude. Vous pouvez déjà noter Smoke and Friends comme d'habitude, les amis. Pour ceux qui veulent rejoindre, tous les abonnés sont les bienvenus dans la guilde. Et puis voilà, donc comme je vous le disais, je ferai des lives tous les après-midi et peut-être le soir sur le jeu. Parce que je pense que quand je vais commencer, je ne vais pas pouvoir m'arrêter. Vous pouvez aussi déjà noter mon pseudo, les amis, pour ceux que ça intéresse. Dans le jeu, c'est Smoky, S majuscule M-O-K-Y. Je pouvais pas mettre Smoke and Play, je pouvais pas mettre Smoke Play, je pouvais pas mettre Smoke YT, je pouvais rien mettre. De toute façon, je peux pas mettre le mot Smoke. Le mot Smoke est interdit. Donc en partant de là, j'ai dû mettre un nom de merde, Smoky. Enfin, ça va, Smoky, ça va encore, mais voilà, moi je voulais mon pseudo quoi. Moi, je voulais mettre Smoke and Play quoi. Putain, chier, merde. Kama, vous faites quoi là? Bordel. Chier quoi. Bref, les amis, c'était une petite et courte vidéo annonce. J'espère vraiment que cette annonce va vous plaire. Donc notez bien le 30 septembre, donc de ce mois-ci, gros live de 10h sur Dofus Rétro Monocompte, le jour de l'ouverture des serveurs. J'espère pas que les serveurs vont ouvrir à minuit, par contre. À minuit le 30, je parle. J'espère qu'ils ouvriront le matin ou l'après-midi, parce que s'ils ouvrent le soir, c'est un peu chiant. Si ça vous a plu, si l'annonce vous plaît, vous hype, mettez un petit pouce en l'air pour me le faire savoir, les amis. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, pour ceux qui aiment Dofus ou qui aiment les autres jeux. Bien évidemment. N'hésitez pas à mettre aussi un petit commentaire, les amis. Est-ce que vous avez déjà joué à Dofus? Ça m'intéresserait bien de savoir, par contre. Qui dans les abonnés a déjà joué à Dofus? Je pense qu'il y en a pas mal. Et je me demande si en 2020, il y a des gens qui ne connaissent pas Dofus. Des joueurs de jeux vidéo qui ne connaissent pas Dofus. Je me demande si c'est possible, en fait. Parce que pour moi, dans ma tête, ça me paraît impossible. Je pense quand même qu'il y en a qui ne connaissent pas le jeu, mais c'est un des meilleurs jeux au monde, les amis. Voilà. C'est un des meilleurs jeux au monde. Ah oui, et petite info aussi, les amis, pendant que j'y pense. Vu que je vais reprendre du coup Dofus Rétro Monocompte. Enfin, que je vais commencer. Je vais essayer de vous faire, pour ceux qui jouent aussi, qui joueront aussi au jeu, je vais essayer de vous faire des petits giveaways. Donc, que ce soit des giveaways d'argent dans le jeu, je parle hein, de Kama, ou d'items, ou bien d'abonnements. Je vais essayer de faire des petits giveaways comme ça. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaira en tout cas, les amis. Merci à ceux qui étaient là jusqu'au bout de la vidéo. Cœur sur vous. Merci à ceux qui me soutiennent toujours. Ça fait plaisir. Je vous dis à une prochaine vidéo, les amis. C'était Smoke and Play. À la prochaine. Attendez, avant, encore un petit coup. Je me téléporte sur cette petite mélodie trop stylée. À la prochaine, les amis. Ça, c'était raté. Shut up! 何が起きても